Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de notre Let's Play sur Pokémon Opalo. Et on se retrouve ici dans l'enceinte du gouvernement de la région où nous sommes. Et on a eu pas mal de révélations la dernière fois par l'intermédiaire d'un ancien membre de la team Gatling qu'on a soupçonné, enfin que le gouvernement a soupçonné, a accusé aussi d'avoir provoqué une explosion à la Ligue Pokémon, alors qu'en fait pas du tout, hein, c'était un laboratoire qui collectait de l'énergie de Pokémon, de ce que j'ai compris. J'ai pas compris tous les détails dessus. Et au final, on est allé dans le repère de la team Gatling, et c'est par l'intermédiaire de ce repère qu'on a atterri dans l'enceinte du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y avait un passage secret entre les deux. Donc ça veut dire qu'ils ont comploté entre eux, hein. Ça me semble évident. On va essayer de comprendre donc la vérité. Président Mustang. Absol et Canardichon. Allez, c'est fini pour toi. T'as pas fait psycho. Pourquoi t'as fait laser glace sur un métallos, mon ami?
Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien qu'il finit bien. C'est à San Celada City. Toujours aussi cher. Donc du coup, on va à Alizio Town, on va se diriger vers la prochaine arène, la dernière. Oh. Bah tiens, t'attendais pas toi.
Au revoir. Ah, brave bird. À la place d'Aerial Ace, bien sûr. Ça enchaîne avec Min Chao. Eh bien justement, Staraptor va pouvoir venir. Et donc le petit rapace. Oh. Et là. Sacré bon dégât. Vengeance. Essaye, hein. Attends. Ah, Roserade. Ça va. Elle m'a même pas soigné mes pokés. Allez, next. Outlaw Rodrigo.
Et voilà, sans Celada City. Je suppose que le champion d'arène va se balader ailleurs, comme d'hab. Sa cabine route 14. Explorer Atolfo, on va Skarmory. Calcium. Chance. Type Sabieille, on a beaucoup une. On va switcher sur. Allez, on corrige là. Le hack c'est moi. Toujours pareil. Mon dieu. Gengar. Dark Pulse. Oh, c'est pas possible. Ce jeu. Allez. Ah, il m'a curse body. 3 tours de axe encore. Le flinch plus l'entrave derrière. Allez, vivement qu'on trouve le gars et...
Oh. Quoi? Ce truc n'est pas de type glace psy au lieu d'être de type normal psy. J'avoue que c'est pas très cohérent. C'est un renne. Déjà de base, ça pousse à rien à foutre de type normal. Alors lui encore mieux. Surtout qu'il a il est clairement blanchâtre. Enfin, je veux dire, il a la couleur de neige.
Oulia. Ah rien. Hunter Victor, absolument. Oh, il a raté son attaque. Cepeda, c'est tout plein de...
camping, c'est hyper dangereux. Oh, oh, il est beau celui-là. Il est type glace. Boreal Mountains. Ah, ça, ça peut... Ce Pokémon tombe à pic. Non. Alors, celui-là, ouais. Honnêtement, celui-là, il va me servir. Je peux le soigner avec un rapette, c'est pas grave. Oui! Parfait. Ouais, il faut le récupérer. Donc là, il faut faire les dresseurs. Tous les dresseurs qu'on croise, faut les faire. Cette fois-ci, ouais.
Toi, tu feras l'affaire pour commencer. Bounty Hunter Almadraba. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Peu importe, au revoir. Escroque. Ça me donne combien de XP ça? J'ai fait une petite erreur. Un point d'expérience. Normalement c'est niveau 45. Il s'appelle comment? Il s'appelle Akamoku. Akamoku. Et il évolue niveau. Il évolue bien au niveau 45 en fait. Nickel, donc il lui reste combien de level? 4. Ça va. Oh, toi tu tombes bien. Merci Léonard, on va lisser. Très bien ce poké. Alors les dreads. Le petit blissé va me rapporter de l'XP, ça. Ça, ça mange pas de pain. Sergio, on va arrêter chaud. C'est fait exprès que moi je gagne. Ah oui, en fait, c'est pour que tout l'XP revienne à celui qui a le truc. Non.
Scène de la jambelle continue. C'est un méga, méga non mais oui. Ouh. C'est quoi ces dégâts? Dragon Claw, parfait. Vector, on va tout mon top. Donc au final pour un whip c'est très fort et ce sera la fin du coup pour cette fois-ci. La vidéo a duré pas mal de temps. On se retrouve la prochaine fois, on continue à explorer pour trouver notre objectif et prochainement nous affronterons la dernière arène du jeu enfin. Et puis s'en suivra bien sûr la Ligue Pokémon, mais on a encore du temps pour ça. A très bientôt donc pour la suite. Ciao.